lancement de cette opération expérimentale, à l'origine, a eu pour réflexion de notre part le fait que nous travaillons essentiellement dans Paris et que dans cette agglomération, la demande de logements aidés est telle que nous n'avons pratiquement jamais de réaction de la part de notre clientèle. Nous avons donc jugé nécessaire de réaliser une expérimentation sur un programme d'une quarantaine de logements pour voir comment les locataires pouvaient réagir par rapport au problème de leur logement en 1980. En effet, nous constations que les architectes nous proposaient quelquefois des innovations et que les services qui sont chargés du placement du logement en fait étaient peu favorables à toute innovation dans le domaine de la cellule et avaient tendance à les rejeter sans que nous sachions nous-mêmes si cela était une réaction de la clientèle ou une réaction simplement passéiste de des services qui commercialisent les logements. Vous voyez ou pas du tout? Oui. Ce passage vous donne donc ou accès à la cage d'ascenseur et d'escalier du grand immeuble rue Claude de Camp, ou donne accès à un petit passage à l'air libre qui permet d'arriver sous un porche pour cet immeuble. Et de ce porche, soit on se dirige vers l'escalier qui dessert ces appartements, qui sont des appartements à double niveau, en duplex, et soit de reprendre un petit chemin, repasser dans l'autre petite cour ici, que vous voyez, pour accéder à l'escalier desservant l'immeuble sur le boulevard Poniatowski. On avait prendre leurs adresses, leur expliquer de quoi il s'agissait, et surtout leur donner un rendez-vous pour qu'ils viennent ici. Pour une première séance où on leur explique, on leur montre la maquette, on leur montre des plans, on leur montre des hypothèses de cloisonnement, des plans, pour qu'ils voient bien. Et on leur donne, pour qu'ils puissent crayonner chez eux, un plan dont il n'y a plus que l'enveloppe avec un ou deux exemples, pour qu'éventuellement ils inventent eux-mêmes ou ils proposent eux-mêmes certaines dispositions qui leur conviendraient. Nous avons posé un peu comme principe que cet immeuble ne devait pas se repérer par le fait qu'il donnait lieu à une concertation avec des habitants et donc une certaine mobilité de l'espace intérieur. Pour la bonne raison, c'était plutôt l'idée de banaliser le bâtiment, même s'il offrait un avantage supplémentaire par ce jeu de concertation. Vous préfériez au départ, si j'ai bien compris, un appartement classique? Non, je préférais duplex. Bon, mais j'ai vu que les duplex étaient donc dans l'immeuble de cour, oui. Hein, puisque d'après les plans. Et donc je me suis dit, bon, bah, comme j'aimais l'immeuble, boulevard Poniatowski. Et ça donne donc sur le boulevard Poniatowski. Non, bon, c'est pas grave. Alors, on revient forcément sur... de cet étage. Sur la rue Claude Legrand. Okay. Cette expérience, pour nous, architectes, non seulement ça nous donne des contacts avec des gens tout à fait directs, ce qui est plus sympathique, mais sur le plan, alors, très égocentrique et professionnel, c'est un peu un recyclage qui nous oblige à attaquer le problème du dessin interne de l'appartement en allant plus profond dans des évaluations d'avantages inconvénients et la manière dont un public peut réagir à des propositions qu'on fait. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la règle. Ce qui est en noir, ce sont les structures du bâtiment, donc on ne peut pas les bouger sans remettre en cause l'ensemble de l'opération, y compris ceci qui est la gaine technique. Il y a un point qui est fixe. Bon, il y a un point qui est fixe, c'est celui-ci. Bon, la disposition, de toute façon, tout ce qui est utilitaire, à savoir cuisine, salle de bain, toilette, sont autour de ce point.
Et autour de ça, donc, il faut que je construise l'appartement. Pourquoi tu ne mettrais pas la cuisine ici? Et la chambre, je la mets là, elle s'appelle. Et la chambre. Mais j'ai déjà pensé à ça, je me suis fait la même réflexion. Ouais. Et puis, non. Parce que là, tu peux reprendre ça en fermant ici. Oui, je vais fermer là. Si je tiens. Mais peut-être moins large, tu vois, mais qui vient jusque-là. Ah oui, mais dans ce cas-là, ton accès au balcon qui est commandé par la cuisine... Eh ben. Le renvoi avec le plan vide et un ou deux exemples, et trois ou quatre personnes de la famille se mettant, le dialogue qui s'instaure dans la famille à propos de ce problème, les réactions des uns et des autres, malheureusement, nous ne le connaîtrons pas, puisque nous n'assistons pas à ça. C'est... D'ailleurs, à mon sens, il ne faut pas que nous soyons là, parce qu'il ne faut pas qu'on serve d'écran, pour que ça se passe librement. Par contre, on essaiera un petit peu, quand les gens vont revenir, de leur demander comment ça s'est passé chez eux. La cuisine ici, ça devait investir. C'est parce que c'est trop petit pour la cuisine ou pas. C'est même forcément interdit. La solution la plus imaginable, c'est celle-là. Oui. Parce qu'on peut profiter encore de cette longueur de mur. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on gagne encore 1,50 m de linéaire. Si on la met ici ou si on la met là, oui, on perd cet emplacement-là. Oui. C'est ça. D'accord. Oui, mais ça fait gagner quand même sur la cuisine. Là. Ça agrandit la cuisine si on met la porte là. Non, parce que... Ah oui, d'accord. Oui, on peut encore mettre des placards. C'est ça, voilà. Oui, d'accord. Pour certains, c'était pas du tout évident que un quart de cercle représente une porte. Un quart de cercle, un trait. Ça, je crois qu'on avait mis en place au départ. Des éléments relativement simples. La plupart des plans ont été dessinés soit par les locataires eux-mêmes, soit ils se sont fait aider par leurs enfants, par leurs amis, ils ont parlé à l'extérieur, et ils sont revenus tous avec des plans. Bon, il y en a tous un. Tous avec des propositions. Tous des propositions. Et là, donc, on peut s'apercevoir que les demandes, généralement, ne sont pas forcément celles que les systèmes de promotion habituels proposent. Ça, c'est ce qui va ressortir de cette concertation. C'est qu'à l'intérieur de la cellule, un très grand nombre s'oriente plus vers des plans libres que vers des solutions où on a un recloisonnement. Là, en tant que promoteur, si vous voulez, pour nous, je dis toujours au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout au début de cette expérimentation, cela nous montre que un certain nombre d'idées d'architectes que nous considérions comme des idées d'architectes, en fait, sont dans l'esprit déjà d'un certain nombre de locataires. Au stade actuel, je ne crois pas que nous puissions en dire beaucoup plus. Dans 6 mois et surtout dans 2 ans, on verra mieux les résultats de cette expérimentation. J'avais fait une demande à la mairie pour avoir un logement, parce que là j'étais assez mal logée avant. Et j'ai été convoquée pour participer à la construction d'un immeuble où on demandait l'avis aux futurs locataires pour faire l'agencement de leur appartement eux-mêmes. Mais il y a de ça 2 ans et demi, je crois. À la suite de cette convocation à laquelle j'ai participé, je suis partie en Afrique, donc j'ai laissé tomber. Et en fin de compte, quand je suis revenue, j'ai eu la bonne surprise de voir que cet appartement m'était toujours réservé.
Et ce qui fait que le temps ne m'a pas semblé long en attendant la construction. Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas parti, et donc si vous aviez participé plus longtemps, vous auriez modifié quelques détails ou vous auriez apporté d'autres choses? Peut-être, oui, je pense certainement que j'aurais pu apporter, modifier certaines choses. Bon, déjà cette histoire de fenêtre là-haut, mais peut-être qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et au niveau des sanitaires et de la salle de bain. C'est-à-dire? Ça, il aurait fallu que je voie avec lui la façon d'arranger ça différemment. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui ne satisfait pas? Je trouve qu'il y a une grande perte de place. Bon, il y a cette histoire de la troisième porte qui, paraît-il, est obligatoire parce que ça donne sur le séjour. Je pense qu'on aurait peut-être pu trouver autre chose. Ça, il aurait fallu peut-être travailler sur papier davantage. Parce que toi, t'as les méchants et moi, j'ai les gentils. Vous voulez la boire? Moi, j'ai les... Faire des plans d'appartement, ça doit pas être simple. Donc, vous aviez... Comment ça s'est passé, là? On nous a d'abord donné la superficie, ce qui est quand même important. Il ne fallait quand même pas qu'on aille déborder chez les voisins. Tant pis. En plus, en construction, on l'a appris, ça, parce que bon, ben, quand on loue un appartement, tout fait, on n'a pas ces problèmes, ces soucis. Mais là, il a fallu qu'on... Bon, on a appris, par exemple, je crois qu'entre le living et les toilettes, il fallait qu'il y ait deux portes. Donc, ça, c'était des choses... qu'on ignore. Ce sont des choses qu'on ignore complètement quand on prend un appartement. Quand on fait construire et qu'on fait les plans, on l'apprend. Et là, c'était un peu notre cas. C'est ce qui était intéressant, en fait. J'ai trouvé ça très agréable, en fait, de participer, d'être concernée, de me sentir concernée par la construction de l'immeuble, d'une part, ce qui, en fait, généralement, pour des locataires, n'intervient pas. Et... Bon, et par l'élaboration des plans de l'appartement. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et puis aussi, le fait d'avoir des réunions et de rencontrer un peu les gens qui allaient vivre dans les appartements voisins. Alors qu'on est quelques-uns à s'être revus plusieurs fois, à s'être croisés, à avoir déjà échangé des idées. Et puis, on se souhaite... C'est drôle parce que les gens arrivaient avec leurs déménageurs et on disait, bah nous, ça y est, vous, bon courage. Si vous avez besoin de quelque chose, bon, je suis à tel étage, tel endroit... Et aussi bien on serait passé du pain et de l'huile parce qu'on se connaissait. On se connaissait alors que les autres, on les regardait déménager, mais on n'osait rien leur dire. Alors nous avions fait deux demandes en même temps. Nous avions eu des réponses à peu près en même temps. On a d'abord eu celle du 1% patronal. On nous a dit, bon d'accord, vous avez un appartement, vous le visitez, qu'est-ce que vous en pensez? Et juste après, on a eu les HLM qui nous ont envoyé aussi leur réponse en nous disant, bon, on vous en accorde un, mais il faudra attendre que tout ça se termine, la construction et le reste. Alors on s'est dit, si ça nous permet de revenir sur Paris, c'est pas un problème, mais on peut pas attendre comme ça. Alors on a été sur Bobigny de façon à revenir ici. Mais c'est un petit risque parce qu'on avait peur de, une fois arrivé sur la banlieue, de ne pas revenir ici. Hein. Et pourquoi vous avez choisi le duplex? Pourquoi le duplex? Bon, on s'était dit que ça nous changerait du classique. Et on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer de voir. En plein Paris, c'est pas mal. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on pensait, moi personnellement, je n'ai pas pensé à un duplex dans ce style. Parce que c'est un duplex qui est plus beau que je ne le pensais. J'ai pensé que c'était un duplex comme j'avais l'habitude de voir. Il y a une entrée, une cage d'escalier, et puis tout est en haut. Et ils appellent ça un duplex. Ah ouais. Ou bien peut-être un duplex aussi avec... les chambres à coucher en haut et la cuisine et la pièce principale en bas, mais pas avec une mezzanine comme ici. Et c'est ça qui nous a plu. La petite cour, le petit jardin, plus on rentre là, on a ça, ça fait petite maison. Et je crois surtout en été, on en profitera plus. Et c'est bien parce que ça étonne les gens qui viennent, qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai, ils n'ont pas l'impression que c'est en HLM. Et ça, c'est très bien, ça serait bien si ça pouvait se faire beaucoup plus. Et puis je crois que c'est une bonne expérience parce que les gens entretiendraient mieux leur appartement. Je crois qu'ils feraient moins de casse. Dans le système de participation, là, vous pouviez choisir les matériaux aussi. Oui, on nous a permis de choisir les matériaux. Alors donc, il y avait la moquette. On pouvait choisir la moquette. Bon, il y avait la moquette la moins chère qu'on donnait aux gens. Enfin, ce que les gens avaient l'habitude de trouver en rentrant dans un appartement tout neuf. Ou bien une moquette de meilleure qualité. Et à ce moment-là, on donnait un petit surplus.
Et nous, ça ne nous a pas dérangé, sachant qu'on serait là pour pas mal de temps. Ça nous a, on a choisi donc la deuxième solution et puis aussi la couleur. Et ça, c'est très bien. Ça nous permet d'avoir deux entrées autonomes. Mon fils a 18 ans et je trouve que pour lui, il rentre, il a son entrée personnelle et ça lui permet de... Et c'est pour ça que vous m'avez ouvert voilà. Du premier. C'est pour ça que je vous ai ouvert du premier. Non, moi je peux pas. Avec une mésaline, je saute dans la salle. C'est difficile. Oui, c'est très difficile. Bon, à bientôt. Mais voilà. Bon, j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà, merci. Au revoir. Comme je ne voulais pas faire de salle de séjour, c'est-à-dire déjeuner, dans le, faire une pièce pour déjeuner, j'ai fait faire une chambre de plus. C'est-à-dire ça m'a fait un vrai 5 pièces. Et je voulais que mes filles aient une chambre séparée, mon fils aussi une chambre séparée, et moi aussi une chambre séparée. Donc de ce fait, je n'avais que cette possibilité-là qui me... Et ça me convenait parfaitement bien. Une expérience comme celle-là met le doigt dans ce processus assez lent et peut parfaitement donner à des gens avec lesquels on a travaillé à propos de leur logement l'envie de s'intéresser davantage à ce qui est l'espace construit, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas d'établir une espèce de contrainte de connaissance ou de dimension culturelle. Il s'agit d'ouvrir un nouveau plaisir, le plaisir de mieux comprendre l'espace, de l'appréhender, de parler de l'espace et de l'architecture. Ça, je crois que c'est important. Moi, j'ai vu la maquette. Discuter et tout, et puis moi je me suis aperçu que bon, vraiment c'était cet appartement là, enfin sur l'immeuble boulevard Poniatowski, qui me convenait. Donc quels sont les avantages que vous voyez habiter sur le boulevard? Ben, l'intérêt primordial sur le boulevard, c'est de ne pas avoir de vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est le bois de Vincennes, et le bois de Vincennes, bon, ben, c'est très agréable. Sur le plan initial, il y avait une cuisine qui était très très grande. Et puis moi, ça ne m'intéressait pas d'avoir une cuisine très grande. Bon, la relaxation, ça se fait souvent quand même dans la salle de séjour, dans le salon, donc pas de problème. La cuisine était vraiment grande. Et j'ai voulu une chambre au deuxième niveau. Alors donc, j'ai demandé un cloisonnement pour faire une chambre au deuxième niveau. Il y a aussi ce cas assez amusant de la personne qui pratiquement a gommé toute séparation totalement entre la cuisine et le séjour au bénéfice d'une énorme pièce qui vraiment est très grande pour les normes habituelles et qui donne un espace tout à fait particulier et qui est un espace à vivre certainement différent. Totalement. Il y avait dès le départ une espèce de la part de la famille Levallois, il y avait une appréhension de l'espace. Beaucoup, enfin disons qu'ils disaient. Ils savaient à peu près ce qu'ils... Quand ils ont choisi l'implantation de leur logement, bon, ils ont choisi le séjour qui avait une forme ronde. Ils ont tout de suite vu à peu près ce qu'ils pouvaient en tirer parti au point de vue de la lumière, de l'espace et tout ça. Et puis, ils avaient un projet d'aménagement intérieur qui était adéquat et qu'ils ont réalisé en partie ou je crois même pratiquement maintenant totalement et qu'ils ont fait eux-mêmes. Ça fait donc un mois que nous sommes arrivés avec déjà on souhaitait que une grande partie de la cuisine soit installée puisque c'est quand même quelque chose d'extérieur et de pratique en plus surtout et bon les placards et puis le reste va se faire ensuite au fur et à mesure des besoins comme c'est une nouvelle surface complètement à
à reconcevoir par rapport à l'appartement qu'on occupait avant. Bon, c'est donc plus en fonction de l'utilisation qu'on en fait que comme ça projeté sur une image, en fait, sur un plan. Pour ce qui est de la cuisine intégrée, bon, moi, c'est parce que je voulais justement profiter au maximum d'une pièce qui me permettait de vivre en commun avec, avec les autres habitants de l'appartement. Avec, ou les amis, ou enfin, bon, les gens qui peuvent être ici occasionnellement ou autre. Donc, une cuisine aménagée de cette manière permet effectivement une vie communautaire beaucoup plus qu'une cuisine traditionnelle, fermée, où on passe quand même une grande partie de son temps, malgré le progrès technique. Le fait de pouvoir concevoir son appartement, je trouve que c'est quand même un gros atout. Enfin, même si ça n'est qu'une partie de la conception, bien sûr. Enfin, c'est quand même un gros atout. On a vraiment l'impression, je crois, c'est presque en fait de la propriété, à la limite. C'est presque ça. Non, je n'irai pas jusqu'à la conception de dire que c'est de la propriété. Non, mais c'est presque ça. Mais comme on a eu la possibilité d'organiser son cadre de vie, je pense qu'on y vit mieux. Quand on prend même un bel appartement, on essaie toujours de casser quelque chose pour le faire à l'image qu'on le voudrait. Alors là, on a pu le casser avant. C'est mieux. Les locataires sont entrés un peu comme s'ils entraient chez eux et disons avec une mentalité de propriétaire qu'on ne retrouve pas chez le locataire ordinaire. J'ai bien eu l'impression qu'ils se sentaient déjà chez eux avant d'être dans l'immeuble. Alors je pense que pour l'avenir, ça devrait permettre de créer une atmosphère qui soit favorable à l'immeuble, notamment dans son absence de dégradation. Cette expérimentation a dégagé les tendances sous-jacentes qui seront les goûts des locataires des années à venir. Il se peut que, ultérieurement, lorsque nous aurons vu vivre cet immeuble, au bout d'un an ou deux, une nouvelle enquête avec l'architecte nous permettra de voir si certaines propositions des locataires sont véritablement bien fondées et si elles apportent véritablement une satisfaction supérieure. À ce moment-là, nous pourrions l'intégrer dans certaines de nos opérations. La dernière constatation que l'on peut faire au stade actuel, c'est que dans l'ensemble, nous sentons des locataires qui nous paraissent heureux. Nous verrons à l'usage si ce bonheur est durable. L'expérience, moi, m'intéresse dans la mesure où, pour moi, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que fait partie, à mon sens, de l'expérience, la manière de rendre compte de la dite expérience, et je veux parler du film qui est fait sur ce sujet. L'expérience et ce film, qui sont faits d'ailleurs grâce au ministère, qui est l'initiateur de ce programme expérimental, et en même temps qui l'a permis par le financement qu'il a donné pour cette expérience et également pour produire ce film. Comment va être utilisé ce film comme moyen de communication et comment, grâce au film, rendant compte de l'expérience, on va peut-être faire naître le désir chez d'autres groupes sociaux ou d'autres responsables de procéder à une expérience de genre, ça c'est intéressant et à mon avis c'est la suite ou l'expérience qui se continue par l'histoire racontée sur cette expérience.
Gérard lui-même qui empoche le dossier.